qui était attendu au Conseil des ministres ce jeudi à Zérékoré, mais il n'est pas venu, Tomo. Oui, le président n'est pas venu tout simplement parce qu'il faut dire que toute cette semaine, Zérékoré vibrait au rythme du gouvernement de transition. Il y a eu d'abord cette première réunion entre les ministres qui a eu lieu dimanche, lundi, le conseil donc de cabinet, après le conseil interministériel. Après, hier, était prévu normalement le conseil des ministres qui devait être présidé en présentiel par le président Mamadi Doumbouya. Cet argument, moi, je ne trouve pas cet argument du ministre Ousmane Gawal Diallo, un argument plutôt plausible, hein. C'est un argument de forme pour essayer de saper les idées ou les esprits des uns des autres. Je pense que le président n'est pas parti tout simplement. Je pense bien que c'est compte tenu de l'atmosphère qui prévaut actuellement à Conakry. Il y a quand même le G58 et le FNDC droit dans leur botte qui continuent de durcir le ton. On nous apprend même par non, sérieusement. Attendez. Vous croyez parce qu'il y a la pression de la classe politique qui est là. Il y a la pression de la CEDEAO également qui est de l'autre côté. Et même au niveau même des citoyens, ceux qui ne se retrouve pas dans donc les activités. Qu'est-ce que ça a à voir avec le déplacement du président? C'est que ça a à voir avec le président. En quoi le président ne pouvait pas prendre le risque d'aller jusqu'à Zérékoré. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver? Un coup d'État? Oui. Comment est-ce qu'un coup d'État va arriver? C'est le FNDC qui va faire un coup d'État. Est-ce que c'est la CEDEAO qui va faire un coup d'État? Non, pas la CEDEAO. Actuellement, rien n'est sûr. Je dis encore une fois que le président ne pouvait pas prendre le risque. Le cas de Boufa, par exemple, quand les citoyens, en tout cas, quand les Guinéens ont été informés que le président était à Boufa, ça trouvait que le président avait fini son séjour, il était en route pour Conakry. Oui. Comprenez, le président allait en catimini à Boufa. Oui. Il ne pouvait pas prendre le risque d'aller jusqu'à quelques milliers et quelques kilomètres de Tomo, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est la question, en fait. Parce que je pouvais comprendre s'il y avait des mouvements de militaires. Non, exactement. On pouvait comprendre s'il y avait des mouvements de militaires. Qu'est-ce qui risquait d'arriver? Mais FNDC et puis la CEDEAO. Oui, d'accord. Je dis, qu'est-ce qui risquait d'arriver? Qu'est-ce qui risquait d'arriver? C'est que il pouvait y avoir une manifestation spontanée, instantanée, derrière le président de la République, et qui pouvait peut-être entraîner d'autres choses. C'est quoi cette histoire? Le temps de Allez-y, à l'abbé lorsque la manifestation avait déclenché. Je pense que le président a vu mieux de ne pas partir parce que là, ça craignait la vie, en fait. Pour toi, c'est le FNDC qui va faire un coup d'État. C'est bizarre. Allez-y. Mohamed Ali. Lorsqu'un voleur a un objet précieux, il veille bien sur cet objet-là parce qu'il c'est se qui dit à tout moment quelqu'un peut le voler. C'est qui le voleur? Parce qu'il sait comment il a eu. Après, c'est qui le voleur, Yacine? C'est qui le voleur, Yacine? Attention, Yacine. Je suis en train d'analyser. C'est qui le voleur? Je dis encore, je reviens maintenant à ta question. Je parlais, c'était de passage. Maintenant, je reviens à ta question. Lorsqu'un président est mal élu ou lorsqu'il n'est pas élu du tout, il ne peut pas avoir la légitimité suffisante pour dormir sur ses lauriers. Aujourd'hui, on sait que Mamadi Doumbouya, il n'est pas venu parce que le peuple l'aime forcément. Je ne dis pas que le peuple n'a pas adhéré à son coup d'État. Il est venu de force. Il sait que tout le monde n'est pas d'accord. L'ancien président continue d'être populaire. Il a soulevé beaucoup de fronts en même temps. Il se dit que en partant aujourd'hui, s'il devait y avoir un coup de force, il pourrait être en difficulté. Donc, il ne peut pas envoyer tout son gouvernement, lui aussi, en même temps, pas à l'intérieur du pays. Quelqu'un peut venir tout de suite prendre la RTG et dire, voilà, les choses ont changé. Et croyez-moi... Ce n'est pas tous les militaires qui vont à Zérékoré. Oui, ce n'est pas tous les militaires qui vont à Zérékoré. Justement, parmi les militaires... Ce n'est pas tous les militaires aussi qui étaient à Zérékoré. Mohamed Ali, l'essentiel se trouve à Conakry. Mohamed Ali, justement. L'essentiel des militaires se trouve à Conakry. Le patron du bataille était là. Ah, quelqu'un veut de fourrer carrière après. Oui. Se trouve à Conakry. Oui. Justement, parmi ces militaires-là, quelqu'un peut dire je vais en profiter pour aller prendre le pouvoir. Rassurez-vous. Rassurez-vous que si quelqu'un prenait le pouvoir aujourd'hui, quelqu'un décide pas, je vais prendre le pouvoir. Comment lui a décidé? C'est toujours un groupe. Oui, c'est toujours un groupe. Il y a beaucoup de groupes. Mais est-ce que tu sais aujourd'hui qu'il y a des comploteurs d'Allemagne? Oui, je te dis qu'il y a des comploteurs. Mais c'est la question que je vous pose en fait. Alors je ne vois pas la question comme ça. Je ne réponds pas à la question comme ça. Je dis il y a des opportunités. Mamadi Doumbouya n'est pas élu. Il a fait un coup d'État. Quelqu'un d'autre peut aussi le renverser. Surtout à un moment où... Mais on peut le renverser même à Conakry. C'est différent. Mohamed Ali, quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'il est là. S'il n'est pas là, imagine qu'aujourd'hui, quelqu'un
prennent le pouvoir et qui disent, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande. Je décide de libérer tous les détenus politiques. Ouais. Je demande à ceux l'autre de rentrer, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de détenus politiques. Non, non, c'est une façon de parler. Oui, oui, mais non, en fait, de... non, mais il faut être objectif dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Toi et moi, en fait, on est d'accord qu'il n'y a pas de détenus politiques. Je n'arrive pas à comprendre. Mais en faisant ce communiqué et que, si je suppose, les partisans de RPG vont voir Kassori et autres... C'est comme ça, on a défini, c'est on a renversé Alpha Condé, il était assez retourné. Non, c'est différent. On c'est a différent. Vu Dadis, on l'a dit, quand tu bouges, différent. Tu vas à l'intérieur, tu reviendras, tu trouveras Alpha pas ton Condé pouvoir. Il est allé à l'abbé, il est revenu. Alpha Condé, il n'y a pas eu de problème. Les coups d'État qui se passent Alpha à Conakry, était les coups d'État qui l'illégalité. Se passent en Guinée, tu m'écoutes une minute. Le coup d'État qui se passe en Guinée se passe avec, comment dire, à Conakry ici, pas un président à l'intérieur. Sauf donc que, l'argument que Mamadi Doumbouya, sauf que quand Dadis est allé à l'intérieur, sauf que quand Dadis est allé à l'intérieur, tu remarqueras que à ce moment-là, il avait des difficultés avec les politiques, pas simplement, les, attention. Mais il n'était pas tous en prison. Là, presque tous les grands leaders politiques ont jamais des problèmes avec d'état, la justice. On, jamais on a même tenté un coup d'État à un président qui est à l'intérieur du pays. C'est toujours à Conakry qu'on tente de le faire. Que cela réussisse ou que cela ne réussisse pas. C'est toujours à Conakry. On avait dit que c'est ton pays à l'arrivée. Ce n'est pas un argument. Allez-y, ça n'est pas arrivé. Je vais placer juste ce point. On n'avait jamais arrivé. Je ne vois pas. On n'avait jamais, tenté un coup d'État contre un président vivant en Guinée. Ça a commencé. Contre Conté. Non, mais est-ce on qu'on avait renversé? Mais finalement, non, mais ça a réussi. On a maintenant, je dis encore une fois, Mamadi Doumbouya ne va pas. Vas-y, ça peut être une nouveauté, Mohamed Ali. Qu'un président se déplace et qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir peut-être pour dire qu'il est là-bas, c'est facile. On ne peut pas spéculer dessus, mais pourquoi il n'est pas allé? Comme le disait Tomou, il y a beaucoup plus. La situation est tendue en Guinée. Et parle aussi la rappeler. Que on a le pouvoir là, il faut qu'il garde précisément ses pouvoirs parce qu'il sait comment il a accédé à ses pouvoirs. Donc il y a d'autres personnes aussi dans ce groupe des petits malins qui peuvent surgir en Guinée. Il y a des frustrés au sein de l'armée, il y a des frustrés aujourd'hui, il y a plusieurs frustrés dans toutes les entités. Donc il s'est dit que pour aller, tous les milices sont, moi je peux pas partir pour laisser Conakry vide et aller tous se mettre à Zérecourt pour tenir un discours ou bien pour tenir... Donc c'était idiot bon. D'envoyer tous les ministres à non, l'intérieur, non. À 1000 km de Conakry. Déjà, moi je pense, n'est pas aller, c'est, ça y va de son moi, choix je ne de tenir pas de que tenir le déplacement de Mamadi Doumbouya mais... de Mamadi Doumbouya à l'intérieur du pays et que quelqu'un... Enfin, c'est s'il va à l'intérieur possible. Du pays, lui, c'est à partir de là qu'il verra oui. Quelqu'un lire un communiqué à la RTG pour dire tu n'es plus président. Je ne crois pas. C'est possible. Oui. C'est possible. Mais dans c'est ce contexte-là, je ne tout crois est pas. Possible. Oui. Mais vu que la situation sociopolitique à Conakry actuellement est très tendue, je pense que Mamadi Doumbouya peut rester il d'abord n'a pas à Conakry pris le risque. Pour essayer de superviser d'abord, la situation à partir de là. Parce que déjà, on sait que c'est un grand stratège. Okay, il sait comment exactement. Ça peut se passer. Exactement. Donc pour lui, les autres peuvent aller. Il a... Lui peut être là en haut pour superviser le tout. Tenir un conseil des ministres, il l'a fait déjà par visioconférence. Mm-hmm. Moi, je ne vois pas pourquoi ça va choquer les gens. Mais ne pas aller aussi à Conakry et à Zérecourt, je pense bien que c'est dû à certains points. Peut-être la situation tendue et des petits malins peuvent se lever pour faire ce coup d'État. C'est une spéculation, mais qui n'est pas indéniable. Et c'est pas bon de spéculer pour un journaliste. Non, pas du tout bon de spéculer. Non, ce sont des le président, il a eu un empêchement. Il a eu un empêchement. Il a eu un empêchement. Je veux savoir. Abessila n'est pas allé non plus, en fait. Lui, il est malade. Lui, il est malade. Il ne peut pas aller. Non, mais je veux savoir l'empêchement. Qui t'a dit qu'il est malade? Non, Abessila. Non, attention. Abessila est malade. Attention, il est malade. Pas spéculer sur la santé des gens. Non, je te dis, Abessila est malade. Il peut pas tenir trop. Le président n'est pas le seul parce que Amara n'est pas parti et le secrétaire général du gouvernement n'est pas non, parti. Amara, il est parti. Non, Amara est là. Si. Amara, il est parti. Amara est à Conakry. Amara est à Conakry, les gars. Amara est à Conakry. Donc, on continue. Ce qui reste, moi, je voudrais savoir l'empêchement qui a empêché le président d'être à Zérecourt. En tout cas, il y a un officiel qui a empêché. Je veux savoir ce qu'il a empêché. Il était occupé. Non, il était prévu. Quelle occupation? Pour quel intérêt on va annoncer le président à Zérecourt s'il ne vient pas? Non, je pose la question. Non, mais pour quel intérêt? Il a été empêché. Oui, c'est la stratégie. Il était occupé par les affaires. C'est quoi ces occupations? Stratégie de communication. Stratégie de communication. Vous suivez, c'est pour TV. Merci encore de votre fidélité. Vous pouvez réagir dans cette.